Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo vlog. Donc une vidéo vlog, c'est que je vous emmène avec moi durant toute la semaine pour vous montrer l'avancée de mes tricots petit à petit. Vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire l'eau-demoiselle et tout ce dont je peux vous parler durant la vidéo. Normalement vous retrouvez tout en lien en dessous. Je vous mets en lien mes fiches Ravelry que j'essaie de tenir à jour pour qu'au moins vous puissiez retrouver le patron et les laines que j'ai utilisées. Donc bienvenue à vous si c'est la première fois que vous débarquez ici. Un grand merci si vous revenez depuis peu de temps, si vous suivez mes vidéos depuis peu de temps ou depuis quasiment le début. Voilà, un grand merci à vous de revenir à chaque fois. On est toujours un petit peu plus nombreux ici. Je suis toujours autant impressionnée de voir que mes vidéos plaisent autant. Ça me touche énormément et ça me motive à poursuivre. Alors, je reviens après un week-end de folie. J'ai pu me rendre à l'apéro tricot que Justine de la mercerie Une Tasse de Fil et d'Aiguille organisait. Elle a organisé une vente éphémère avec Arco Irisian, qui était donc venu le vendredi et le samedi à la boutique. Et le vendredi soir, il y avait un apéro tricot. Alors de tous les apéros tricots que moi j'ai pu faire, c'est le premier où je tricote le moins. On a énormément parlé, échangé tout ça, et c'est vrai qu'on a mis du temps avant de s'installer. Il y avait pas mal de monde quand je suis arrivée, pourtant je suis arrivée en avance par rapport à l'apéro tricot, mais il y avait beaucoup de monde dans la boutique. Mais voilà, c'était vraiment un chouette moment. Je pensais finir naïvement ma couverture ce jour-là. Je l'ai pas fini du tout, je l'ai terminé le samedi. Où j'ai pas énormément tricoté parce qu'on a beaucoup été en vadrouille le samedi. Le dimanche, j'ai fait le don du sang, et moi, quand je fais le don du sang, après, voilà, franchement, il me faut la journée pour m'en remettre. J'ai beaucoup de mal après un don du sang, je suis vraiment pas bien après, et ça a été beaucoup de repos à la maison, mais avec des moments où je tricotais pas, puis j'ai tricoté, je me suis rendu compte aujourd'hui que j'avais fait des erreurs, enfin bref, je vous en parle après. Donc pas autant de tricot que j'aurais cru ce week-end, mais c'est pas grave, hein, ça reste que du tricot, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui je vais revenir sur tout ce que j'ai en ce moment sur mes aiguilles et donc je vais commencer par la couverture de bébé parce que même si je ne l'ai pas fini au tricoté, je l'ai fini durant le week-end. Je vous montre donc la couverture de bébé. Donc j'avais un modèle que j'avais créé moi-même, que je vous trouvais disponible gratuitement sur mon blog. Voilà, c'est rien de compliqué, c'est juste un petit point de dentelle voilà, qui forme 4 petits trous-trous, voilà, qu'on répète régulièrement. Et voici donc la couverture. Avec une bordure au point mousse. Voilà, rien de bien compliqué, mais c'est simple, ça fait son petit effet et c'est devenu mon petit cadeau de naissance que je fais pour tous les enfants que j'accueille, puisque je suis assistante maternelle si vous ne le saviez pas. Et j'ai un petit bébé qui est donc né et que je vais commencer à accueillir vers fin novembre, début décembre, et donc ça sera son petit cadeau de naissance. Donc voilà, alors je l'ai tricoté avec la soft coton. Je l'ai tricoté avec la langue soft coton. Justine m'avait prévenu et je crois que je peux vous le dire, c'est un fil qui se dédouble vraiment facilement. Vous allez voir, hop. Là, si je fais... Vous voyez, il y a plusieurs brins et franchement, oui, effectivement, il se dédouble très facilement. Voilà, je l'ai tricoté une fois et je le reprendrai pas parce que j'avoue que c'était assez pénible. Il y a plein d'endroits où il y a un petit fil qui n'est pas tricoté, qui dépasse. J'ai pas trop de... Vous voyez, là, par exemple. Hop là. Et il y en a plein des comme ça hein, tout le long de la couverture. Alors c'est pas choquant à première vue, c'est pas quelque chose qui saute aux yeux, mais je sais que ça veut dire que à l'usage, elle risque facilement de s'accrocher, de s'abîmer et tout. Donc bon. Voilà, c'est tout, j'ai essayé. Par contre, la couleur, j'adore, j'aime beaucoup cette couleur. J'aime beaucoup le rendu, je trouve que c'est pour du coton, c'est hyper fluide. C'est pas trop lourd, je trouve. Non, franchement, c'est pas mal, j'aime bien. J'ai bien aimé, j'aime beaucoup le rendu, mais le fait qu'il se dédouble, c'est pas terrible. Donc voilà pour ma petite couverture que j'ai donc terminée. Il n'y a plus qu'à rentrer les fils, la laver et je l'offrirai aux parents. Une bonne chose de faite. Ensuite, sur mes aiguilles, j'ai une paire de chaussettes qui n'a pas du tout avancé du week-end, mais je vous la remontre. Donc c'est celle-ci, c'est une chaussette, il n'y a pas de sans patron, que je tricote tout en jersey. Maintenant que j'ai l'habitude de faire des chaussettes, j'ai plus besoin de patron. Je l'ai commencé par la pointe parce que j'utilise un autre rayon, mais j'ai 100 grammes, donc je suis complètement large.
je vais pas du tout manquer de laine. Mais c'est plus par rapport à mon mini. Oui, ça va être plutôt par rapport à ça. Parce que mon mini, comme ça, je vais avoir utilisé pour les points, la pointe, le talon et les côtes. Et il faut que je sais qu'il faut que je reste, faut que je laisse 10 grammes pour faire la deuxième chaussette à identique. Mais c'est vrai qu'une chaussette toute simple comme ça, avec des rayures, j'ai tendance à les commencer par la pointe. Donc ici, c'est un mini de chez La Bien-Aimée. Et là, c'est un autorayon de chez Laine de Mout, le coloris Antoine. Un coloris très automnal, j'aime beaucoup. Un petit anneau marqueur de chez Artemis Yarns. Et vous voyez, elle n'a pas avancé du tout. L'objectif de cette semaine, ça serait au moins de passer le talon. Et si je pouvais finir la chaussette le week-end prochain, ça serait bien. Voilà, on verra bien. On verra comment ça se déroule, mais j'aimerais bien la faire. On va faire au moins une chaussette cette semaine. Dans les projets qui n'ont pas avancé du week-end, il y a mon gilet. Le gilet, le Fade Fade It Brioche de Katrina. Je ne sais pas son nom, mais je vous le mets à l'écran. Que je tricote avec 6 écheveaux au total. Principalement, ce sont des écheveaux de chez Bulbe Bizarre. Donc ici, on avait Carapuce, Sorbetto. Là, on a un écheveau de Tricot et Stitch, Tweet Art. Ici, on a la... Et après, on repart sur Bulbe Bizarre. La Voix de l'eau, Carapuce et... Crystal Orchid. Crystal Orchid. Ouais, ça doit être ça. Et je vous avais quitté, bah, j'avais un début de manche, et puis je suis toujours qu'à un début de manche. Je n'ai pas avancé. Et là, j'utilise des petits anneaux marqueurs de chez Ars Mirabilia. C'était sa collection de... Elle avait fait une box de Noël l'an dernier que j'avais prise, avec même le petit contrant, hop, assorti. Donc voilà, bon bah ça, l'objectif cette semaine, c'est de finir ce gilet-là, les deux manches, et puis on n'en parle plus. Ça serait pas mal. Et les petites tortues, là, au bout des aiguilles, proviennent de chez Justine, une tasse de fil et d'aiguille. Donc voilà, l'objectif, c'est de finir les manches de ce gilet-là. Ça serait vraiment bien. Ce serait un... Enfin, un gros projet de terminer, ça me ferait du bien. Je serais contente, puis bon, ça va être vraiment la saison pour en profiter. Vraiment, il est hyper doudou, hyper cocooning, donc vraiment... J'ai envie de l'utiliser, de le porter. Et enfin, mon dernier en cours, c'est le modèle Isild que je teste pour Nadia. Que j'ai en ce moment sur mes aiguilles. Je vous avais montré que j'avais tricoté le dos. Le voici. C'est très joli. Vous avez la bonne couleur. Un très joli marron caramel que je tricote avec les laines de By Night. Donc c'est ça, Milky Way, qui a des petits tweeds. Vous voyez, c'est une laine tweedée. Ça fait des petites nuances, j'aime beaucoup que je combine un mohair et soie, le lace de chez Langyarn. Et donc depuis, j'ai fait un demi devant. Hop, 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 hop. Voilà. Alors vous voyez, le devant, il y a des torsades. Et puis là, une petite dentelle vraiment toute simple. Et en fait, c'est toujours la torsade, elle est toujours dans le même sens. Le motif au milieu, c'est toujours le même. Et vous voyez, juste on alterne. C'est vraiment pas compliqué, parce que le devant droit et devant gauche, ils sont vraiment identiques. C'est vraiment les mêmes torsades, il n'y a pas à réfléchir, on est côté droit, on la fait tête vers la droite, côté gauche, on fait la vers la gauche. Non, c'est vraiment les mêmes motifs et tout, c'est vraiment chouette. Il n'y aura pas de prise de tête. Et en fait, j'avais déjà terminé les deux côtés, sauf qu'au moment de vouloir rejoindre, j'étais pas sur le même rang des deux côtés. Je me suis dit, ah, il y a un problème, j'avais le même nombre de mailles, j'avais les bonnes augmentations à droite et à gauche. J'ai mis du temps à me rendre compte et j'ai dû détricoter. Alors, je savais pas en plus si mon erreur elle venait du côté droit ou du côté gauche. Voilà, ça, il a fallu un temps de réflexion pour trouver et il s'est avéré que j'avais fait une torsade de plus à ce niveau-là alors qu'il fallait switcher les deux motifs. Donc, j'ai tout détricoté, c'était sur le morceau que je venais de faire. J'ai tout détricoté et maintenant je reprends bien. Et ça me permettra d'être au même niveau des deux côtés, ce qui serait quand même beaucoup mieux. Mais j'ai mis du temps avant de comprendre, parce que je focalisais beaucoup sur les augmentations, en me disant j'ai dû me tromper dans les augmentations ou autre, et je comptais, bah non, parce qu'en fait il y a deux rythmes d'augmentation pour l'encolure, je me dis mais non en fait je me suis pas trompée, donc après je recomptais, j'ai beaucoup compté, je sais pas pourquoi les torsades à ce niveau là mais pas au centre, et en fait il s'avérait que c'était au centre et puis assez haut en plus, donc bon, voilà, là je l'ai repris, vous voyez je suis passée au motif là. Donc l'objectif de cette semaine, c'est de finir le devant, de tout réunir en rond, puis d'avancer sur le corps. Voilà, voilà. J'aime beaucoup, c'est très joli. J'avais un peu peur que les tweeds nous empêchent de voir le motif, mais en fait pas du tout. Il y a des tweeds, ils se mettent bien, ils prennent vraiment pas le dessus. On voit très très bien le motif. J'aime beaucoup le rendu. Voilà.
Je suis vraiment contente. Ça va être un très joli pull. Donc ça, c'est un modèle qui sort pour le Ch'ti Bazar Créatif, courant novembre. Donc comme toujours avec les modèles de Nadia, on peut montrer en cours de tricot, mais pas le projet fini. Donc souvent, c'est au moment des manches, j'arrête, vous le verrez plus jusqu'à sa sortie. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce que j'ai pu recevoir la semaine dernière avant d'aller voir Arco Irisian. Je vous reparlerai de Arco un peu plus loin dans la vidéo. J'ai des nouvelles boucles d'oreilles que j'ai pu vous mettre en vidéo en intro. Ce sont des boucles d'oreilles de chez Maison Pleine Fleur. Alors, c'est vrai que je devrais vous le dire plus souvent. Bah, ah oui, et puis je porte, mais je vous ai même pas dit ce que je portais. Je porte le... Ah, je sais plus. Le Missurina de Kathleen Hunter, donc c'est un t-shirt avec tout cet empiècement qui présente à la fois de la dentelle, des torsades et du jacquard. Et j'adore ce motif de jacquard avec les grandes feuilles. J'ai fait le point texturé sur tout le corps et afin d'utiliser un peu plus de ma laine contrastante, j'avais utilisé pour les côtes ici et pour le bas du pull également. Voilà, ça c'est pour ce que je porte. En laffe et fil pour le beige, c'était sa base crème et c'est le coloris canal ici de Tôle Matin Yarns dans sa base BFL. Voilà. Et donc ça va super bien avec mes nouvelles boucles d'oreilles. Je ne sais plus leur nom. Non, je ne vais pas dire de bêtises. Donc c'est une nouvelle collection qu'elle a lancée Estelle de Maison Pleine Fleur. J'ai déjà trois autres paires d'Estelle que j'aime beaucoup. Celle-là j'aime beaucoup, ça fait sur une créole, ça fait une grosse fleur là. J'aime pas mal. Donc je me suis acheté ça, je les ai reçues... en fin de semaine dernière, et je peux en profiter, donc je suis contente. Et c'est vrai que je vous disais, je vous dis pas souvent, mais c'est vrai que vous me redemandez souvent mes boucles d'oreilles, mais je crois pas que je penserai à chaque fois de filmer, je penserai pas de vous dire ce que je porte. Je suis vraiment pas sûre. Je vous avais parlé de mes illustrations, je les ai affichées là-haut, c'est bon. Et j'ai reçu aussi un kit de laine à chaussettes de chez Bulbe Bizarre, parce que je pense que vous l'avez vu passer, Marie-Élix a sorti un patron de chaussettes, les chaussettes Percy, qui sont inspirés de cette illustration là. Moi j'ai son carnet. Donc elle a fait une paire de chaussettes vraiment dans ces tons là. Le kit à chaussettes est vraiment très très beau, j'aime beaucoup. Mais c'est pas quelque chose qui... J'aime bien, il est beau, tout ça, le patron est très joli. En plus il est disponible gratuitement sur Ravelry. Mais c'est pas l'envie que j'avais. Moi quand je pense aux fantômes, je pense à Halloween. Et nous on est très très Halloween, on adore vraiment cette fête là. Voilà, sur le coup je m'étais dit, maintenant le kit Percy, oui il est joli mais ça m'intéresse pas. Et en regardant le vlog, en plus j'étais en retard, j'ai juste pris le dernier épisode de Pauline qui était sorti, parce que là maintenant je crois que j'ai vu qu'elle avait sorti un nouvel épisode. En fait elle montrait qu'elle avait fait un autre kit à chaussettes et c'est le deuxième que j'ai pris, c'est celui-là. Donc c'est son kit manoir hanté qui contient un écheveau de 100 grammes en violet nuancé, j'aime beaucoup, avec un mini noir. Et un mini, vous l'avez un peu trop blanc, mais c'est vert, jaune, un peu comme la couleur je me souviens quand j'étais petite, qu'on appelle ça, des étoiles fluorescentes qu'on accroche sur les plafonds, les murs, et qui brillent la nuit. Alors là, ça brille pas la nuit, pas du tout, mais c'est un peu l'idée que la couleur, ça représente ça, je trouve que ça représente super bien. Donc j'ai pris le kit pour faire des chaussettes d'Halloween. Alors je pense pas faire les persis. Même si j'aime beaucoup son patron, peut-être que je le ferai plus tard, mais j'ai eu un coup de cœur pour le modèle Fais-moi peur de Lysandre Ourdin. Donc j'ai acheté son patron et je pense que je ferai les Fais-moi peur de Lysandre avec le kit manoir hanté que j'aime beaucoup. Trop joli. Donc c'est un kit à chaussettes classique, 85% mérinos extra fine, 15% nylon. Voilà. Donc ça c'était pour les petites nouveautés dans le stash. Donc forcément on est allé voir Arco, on a acheté de la laine, mais ça je vous en reparle un peu plus tard. Thank you.
Je vous retrouve. Alors on est mercredi, je suis pas revenue hier parce que on a une semaine voilà, très chargée, très compliquée. Et donc voilà, il est en ce moment pas possible pour moi de revenir tous les jours. Mais là voilà, je vais au moins pouvoir venir un jour sur deux. Je pense revenir vendredi pour clôturer ce vlog. Mais au moins c'est pas mal parce que j'ai quand même pas mal d'avancées à vous montrer. Aujourd'hui je porte le t-shirt After Beach, un modèle de Atelier Emily Louise que j'ai tricoté pendant mes vacances cet été. Là, je l'aime beaucoup, il est très simple, très basique, mais franchement il est très bien, il tombe super bien, je suis vraiment contente. J'ai tricoté dans la laine, la base Cocoon de The Woolly Skin. C'est un pull que j'ai détricoté, donc c'est de la laine que j'ai détricoté d'un premier pull, parce qu'il ne m'allait plus et que je ne le portais pas, et que j'ai réutilisé pour l'After Beach. Je suis vraiment contente, franchement je suis contente d'avoir réutilisé de la laine qui ne servait plus, et je suis vraiment contente de ce modèle là. Voilà pour ce que je portais. Alors, je pensais vous revenir vous voir avec une manche terminée sur mon gilet. Et non, ce n'est pas le cas. J'ai pas eu le temps de tourner, mais j'ai pas non plus, en fait, finalement, énormément de temps pour tricoter. Mais c'est pas grave. Elle a quand même relativement bien avancé. Et voilà, je l'ai pas terminé là quand je vous filme. Mais je pense que d'ici vraiment ce soir, elle sera terminée. Et voilà ce que ça donne la manche. C'est beau. C'est vraiment très joli. Donc j'en étais là quand je vous l'ai montré lundi. Et donc j'ai tricoté tout ça. J'ai fait quelques diminutions. Pas autant que ce que préconisait la taille M. J'ai suivi plutôt par rapport... je me suis arrêtée au nombre de mailles de la taille L. Parce que je trouve que déjà ça fit déjà pas mal, c'est quand même déjà une manche ajustée, je voulais pas non plus que ça soit trop ajusté, ça reste un gilet qu'il faut que j'arrive à porter sur autre chose, donc voilà, je me suis arrêtée. Je vous avais dit, j'avais ce problème de savoir, parce que moi j'avais fait, quand je fais un changement entre deux couleurs, quand j'alterne deux couleurs, je fais 20 rangs, et quand je tricote comme là, une couleur toute seule sur le corps, j'avais fait 28 rangs, donc j'ai alterné 20 rangs, 28 rangs, 20 rangs, 28 rangs, finalement je me retrouve avec un corps vraiment très long. Et je m'étais posé la question que pour les manches, faire 20 rangs, 28 rangs, 20 rangs, 28 rangs, j'allais avoir peut-être vraiment des grandes manches. Donc j'ai opté pour, j'ai fait 20 rangs à chaque fois. 20 rangs quand j'alterne les deux couleurs, 20 rangs avec une couleur unique et ainsi de suite. Donc là j'en suis à Carapuce. Je dois terminer Carapuce et ensuite je l'alterne avec Crystal Orchid et je termine ma manche avec le Crystal Orchid qui est le violet ici. Et au niveau de la longueur de manche, on est pas mal quoi. Elle est déjà bien longue, je l'ai testée et tout, je pense que ça ira. Et de toute façon, je vais peser mon Crystal Orchid avant de commencer ma manche pour, si je veux la rallonger un peu, savoir que je vais jusqu'à 50% de ce qui me reste. Parce qu'après, il me restera plus qu'à faire l'autre manche. Mais je pensais vraiment revenir aujourd'hui avec une manche terminée. Bon bah, c'est pas le cas. D'ici la fin du vlog, elle sera terminée, l'autre sera commencée. Et puis voilà, ça devient bon. C'est pas trop galère de faire, franchement les renvers c'est pas ce qui me dérange le plus, c'est le fait que bah, y a tout ça de masse à retourner droite gauche, quand on a que les deux couleurs les fils ils s'en mêlent, je vais quand même plus vite quand il n'y a qu'une seule couleur, mais sinon non c'est vraiment très agréable à tricoter et puis alors là voilà, je touche bon, ça devient bientôt la fin, ça va être chouette. Donc voilà pour ce modèle là qui est bientôt fini, pas encore, mais j'espère que, peut-être pas pour la fin du vlog mais au moins pour la fin de la semaine. Donc voilà, ça c'était pour mon gilet. Au niveau de mes chaussettes, j'ai bien avancé. Bon, j'ai bien avancé. J'ai avancé dessus. Je suis en train de tricoter le talon. Voilà. Je suis en train de faire le talon. Les fish kiss lips heel.
Donc c'est un talon en raccourci, mais ce sont le fait en fait la maille qu'on fait, je sais pas, la maille double, elle n'est pas faite comme par exemple, c'est pas des rangs raccourcis à l'allemande. La maille double a une technique particulière que je n'ai jamais rencontrée ailleurs que dans ce modèle-là, il me semble. Mais voilà, donc j'ai dépassé la moitié. Vous voyez, on a la ligne là de milieu de talon. Je suis en train de tricoter l'autre moitié et je vais pouvoir dérouler toute la chaussette. Donc ben voilà, pour la fin du vlog, j'aurai fini le talon, j'aurai avancé dessus, mais je pense pas que je l'aurai terminé, non. Si au moins je terminais mon gilet pour la fin du vlog, ça serait franchement royal. C'est la seule chose que je vais être, que potentiellement je sois capable de finir, mais je suis même pas sûre. Mais voilà ma chaussette que j'aime beaucoup les couleurs. Alors pour le talon, j'avais fait quand même en sorte de faire attention, je voulais pas que ce jaune-là soit à côté du marron ici. Vous allez me dire, c'est pas les mêmes couleurs, on est surtout que là avec les à l'écran ça a plus de contraste. Mais c'est vrai que je voulais pas que le talon soit entre le gris et je sais pas comment dire cette couleur-là. C'est un peu je sais pas. Bref, hein, vous voyez, je voulais pas qu'il soit là ou soit entre ces deux rayures-là, le marron et l'espèce de jaune caramel bronze. Je voulais, voilà, que ça soit vraiment entre deux couleurs où ça tranche bien et donc c'est bien tombé. J'ai réussi à faire ce que je voulais. Et la deuxième chaussette, je vais faire en sorte qu'elle soit pareille. Je vais m'arrêter donc sur une rayure. Ah bah non, non, si je m'arrête sur ça, oui, je vais bien reprendre, c'est-à-dire que mes côtes, ils seront avec ça. Non, bah je vais défaire une rayure, je pense, pour reprendre bien mes chaussettes. Pour être sûr que de ne pas avoir ce jaune, mon jaune de contrastant qui soit proche du jaune marron de l'autorayon. Voilà, mais ça avance bien, c'est mon petit tricot d'attente un petit peu partout. Vous avez pu voir, voilà, quand je suis en voiture, c'est redevenu mon tricot quand on attend la voiture, parce que je suis toujours un petit peu en avance, donc je tricote un petit peu. C'est parfois pas grand-chose, parfois quand les enfants mettent un peu plus de temps à sortir de l'école, ça prend un peu, j'ai un peu plus de temps, mais voilà, c'est variable. Et puis des fois quand dans la journée je sais que j'ai vraiment pas longtemps, je me dis allez je me pose, je tricote 5 minutes, je sais que je vais prendre ça. Moi quoique là ma manche c'est pratique, ça c'est du zéro cerveau, on n'a pas réfléchi, mais comme c'est imposant, c'est vrai que la chaussette c'est vraiment pratique. Et enfin mon dernier encours, le pull. Oui non j'étais en train, j'ai bugué, je savais plus où j'en étais quand je vous l'ai montré. Mais je me souviens, je vous avais dit quitter parce que j'avais fait une erreur dans mon. Je vous avais parlé de mon erreur. Et ça y est, il est assemblé. Alors c'est un pull que je teste donc pour Nadia. On tricote d'abord tout le dos qui est en jersey. On fait des rangs raccourcis. Après on vient reprendre les mailles qu'on avait fait un montage provisoire un peu partout. Donc on vient les reprendre. On fait des rangs raccourcis aussi au niveau de l'épaule. Et c'est super bien fait. En fait Nadia, en fonction de chaque taille, moi, je crois que les rangs raccourcis fonctionnent pour deux tailles. Il y a des rangs raccourcis pour la taille 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Mais donc vraiment, on regarde sa taille et on suit à la lettre ce qu'elle nous dit. Les rangs raccourcis se placent vraiment bien dans la dentelle. Il n'y a pas de problème de diminution ou de jeté. Franchement, voilà, c'est beaucoup de mailles en droit quand on fait les rangs raccourcis, un peu de mailles envers, mais franchement, ils se placent vraiment bien et Nadia explique vraiment bien où faut les faire. Donc franchement, les rangs raccourcis sur les demi-devants se passent très très bien. Il y a pas, on suit le patron à la lettre et ensuite on vient donc tricoter un demi-devant, l'autre demi-devant et j'en suis arrivée là, j'ai rejoint un rond. Donc je sais quand je vous l'ai montré, j'avais faux sur le droit, je crois. J'ai pas mis de progress keeper. J'en étais là à peu près parce que je sais que je m'étais trompée sur cette torsade-là. Donc hop, j'ai tout tricoté et je me suis juste arrêtée à j'ai rejoint les deux en. Voilà, donc là il n'y a plus qu'à dérouler le corps. Donc maintenant la dentelle le motif va se tricoter qu'à l'endroit. Après c'était pas compliqué sur l'envers parce qu'il n'y avait pas de manipulation. On tricotait juste les mailles comme elles se présentent. Et j'aime beaucoup le rendu de la couleur. Franchement là pour cet automne-hiver, ça va être vraiment très très chouette. J'aime beaucoup. Et j'ai mis un petit anneau marqueur ici, un petit cadeau de Maison Pleine Fleurs. Quand j'avais acheté mes boucles d'oreilles, j'avais reçu, elle m'en avait mis deux comme ça en cuir. Et elles sont très jolies, donc je les ai mis en début de rang. Et j'utilise pour marquer ici ma dentelle des anneaux marqueurs de box de Noël de l'Écheveau Solidaire. Ça s'accorde parfaitement à mon tricot.
Voilà pour ce qui en était de mes encours. Maintenant, je vais revenir sur ce que j'ai acheté à la vente d'Arco Irisiane. Donc quand j'y suis allée, je savais vraiment ce que je voulais. J'avais déjà regardé un peu sur son site. Je sais que dans ma garde-robe, il me manque un gilet, mais vraiment basique, un beige, crèche, quelque chose de peu nuancé, de vraiment assez clair pour que ça aille avec tout. Un peu l'inverse du gilet que je tricote en ce moment, je suis d'accord. J'ai mon gilet cachou qui correspond bien à ce critère-là, sauf que ben il est chaud. Il est en fingering et mohair, donc il est bien chaud. Je peux pas le mettre encore maintenant, parce que je trouve que c'est trop chaud. Donc je savais que je voulais voilà, quelque chose de clair en fingering pour me faire un gilet basique dans ma garde-robe. Et dans sa collection donc, de coloris Dune, il y avait le coloris que je voulais. Donc quand je suis arrivée dans la boutique, j'ai repéré tout de suite le coloris dans sa base Dr. Wood, donc 100% Mérinos, Superwash. Mais il n'y avait plus la quantité nécessaire, mais elle en avait quand même en Stellina, et donc je l'ai pris en Stellina. Donc voici le premier coloris que j'ai pris, c'est Muad'Dib, donc dans son coloris de chez Dune. J'aime beaucoup, donc avec un peu de Stellina doré, c'est léger. Mais je pense que vous arrivez à le voir un petit peu. Et il y a de légères nuances, alors ça se voit pas forcément là, mais j'ai acheté, alors une quantité pour faire un gilet là-dessus, et j'ai acheté quand même le même coloris, mais sur la base Dr. Wool, et je pense que là, sur cette base-là, on voit un peu plus qu'il est légèrement nuancé. Si je vous montre ici, vous allez voir, vous voyez, c'est légèrement un peu plus foncé ici. C'est pas flagrant, mais c'est un peu plus nuancé. Et c'est vrai que j'ai pu le voir que la base Stellina, elle prend pas les couleurs pareilles que sa Dr. Wool, que son 100% Mérinos, parce qu'il y avait des coloris avec beaucoup plus de nuances et de speckles, tout ça, et où on voyait, ici, ça se diffuse un peu plus, c'est moins voyant sur cette base-là que sur celle-ci. Donc ça, c'est pour me faire un gilet. Et ça, je l'ai pris avec deux autres échevaux pour me faire un châle. Hop là. Oh, j'en ai perdu un. Donc voilà, je suis repartie avec ces trois-là, qui sont donc tous Dr. Wool 100% Mérinos. Ici, on a le coloris Rocket. Très joli marron. J'aime beaucoup. Là, on a Pompadour, qui est plus clair au niveau de la base, mais qui on retrouve des zones un peu plus foncées, même vraiment bien foncées ici, un peu de rose à ce niveau-là. Ici aussi, j'aime beaucoup. Et en dernier, donc j'avais pris Muad'Dib, parce que vraiment un gros coup de cœur pour ce coloris-là. Et ça, j'ai prévu de me faire un châle, ça me permettra d'avoir un châle que je peux faire avec plusieurs, qui est prévu avec des rayures ou de la dentelle, moi, des couleurs contrastantes, mais qui reste quand même dans une palette de couleurs assez proche. Et je me rends compte quand même que c'est ce qui manque aussi dans mes garde-robes. J'ai énormément de châles, mais j'ai des châles avec des couleurs très différentes les unes des autres, très tranchées, beaucoup de contrastes, et ils sont pas forcément toujours faciles à associer et tout. Et je me suis dit que voilà, il fallait que je me focalise sur des vêtements un peu plus unis, clair, comme là mon gilet, je sais que c'est vraiment une pièce que j'arriverai à porter souvent après. Et au niveau des châles, je me dis vraiment qu'il faut que j'essaye de faire des châles quand même plus unicolores, un peu moins contrastés, tout ça, pour qu'ils soient plus facilement portables. Parce que je me rends compte qu'en fait, les châles que je porte vraiment le plus, ce sont ceux que j'ai fait avec deux échevaux, mais à la même couleur. Mais ça réduit beaucoup de choix de châles si je me dis que je fais que comme ça. Donc là, je suis partie sur l'idée de quelque chose, voilà, d'assez... Il y a du contraste. Vous voyez en plus à l'écran encore plus de contraste, mais en vrai, il y en a quand même moins. Et je pense que ça va rendre... voilà, ça sera vraiment chouette. Donc ça, c'est ce que j'ai craqué pour à l'apéro tricot. Il y avait beaucoup de choix. Elle était venue avec vraiment beaucoup, beaucoup de couleurs. C'était vraiment chouette. C'était vachement tentant. Et... moi, il faut savoir, mon chéri adore Dune, donc je lui avais montré ses coloris de Dune avant, un quart d'heure avant de partir. Il m'avait dit, mais c'est pour quel projet, Talène, tu vas acheter quoi, pour quel projet, tout ça. Il est quand même curieux, il voulait savoir. Donc voilà que je lui montre le gilet, il n'est pas encore fixé, je vous en parlerai quand je le ferai, mais voilà, je lui ai montré quelques gilets, et je lui ai dit, bah, je vais faire avec ce coloris-là. Et comme il adore Dune, je lui avais montré tous les coloris, et il y avait le coloris Freeman, je sais pas comment on dit, je vais me faire tuer. Qu'il a adoré, qui est un très beau bleu, et moi mon chéri a les yeux bleus, je lui avais dit, ça irait tellement bien avec tes yeux et tout, je lui ai dit, est-ce que tu veux que je prenne un écheveau pour faire des chaussettes? Il me dit, les yeux, les pieds,
c'est pas collé ensemble, c'est trop loin, ça n'a pas de rapport. Je lui dis, oui, ma foi, oui. Alors je lui dis, est-ce que tu veux que je te fasse un snood? Au début, il me dit, oh, je sais pas. Et 5 minutes avant que je parte, il me dit, ah bah ouais, je pense que je veux bien un snood, bien bonnet assorti. Je lui dis, non, oh, mais là, je m'en vais, j'ai pas le temps de regarder. Donc je n'ai pas pris. Quand j'étais à l'apéro, j'ai pas pris de laine, j'avais pris en photo, je lui ai envoyé, il aimait beaucoup le rendu. Parce que bah, forcément, de l'écran à la réalité, parfois, il peut y avoir des différences. Donc. Il avait vu quand même déjà sur le site de Harco, il a vu ma photo, il aimait beaucoup, il me dit, ah bah oui, il m'a dit au Ch'ti Bazar, j'achèterai ce coloris-là, j'aime beaucoup ce fameux bleu Freemen. Il me dit, je veux ça pour mon bonnet. Donc voilà, je rentre le samedi soir, je lui raconte tout dans mon euphorie et tout. Et le samedi, en fait, on allait faire des magasins parce qu'on est en train de refaire notre salle de bain. Donc il fallait qu'on aille faire des magasins et donc on revenait pas très loin de la mercerie et il me dit. Non, mais en fait, si on y va, je pourrais acheter ma laine. Bah, je lui dis oui, t'es pas obligé d'acheter le Ch'ti Bazar créatif. Si on peut. Là, je l'ai vu le coloris, je pense qu'on peut trouver ce qu'on veut, ce que tu veux. Donc, me voilà que. Il me dit oui, mais il faut que tu aies le projet. Je lui dis oui, je vais chercher. Donc, samedi matin, avant de partir, il a fallu trouver un bonnet et puis un col. Donc, il a fait le choix sur ce col-là. Je sais pas le nom, je vous mets à l'écran. C'est un col avec deux couleurs, avec de la brioche. Parce que voilà, il fallait que ça soit assez chaud, il fallait que ça lui serre le cou. Il a un cahier des charges très très précis de ce qu'il veut. Donc on a opté pour ce modèle-là. Et pour ça, il a donc choisi deux coloris, ces deux-là. Alors, c'est le col. Donc dans la base Dr. Wool, encore une fois, un 100% Mérinos Superwash. On a pris donc le coloris Dragono, ben, bon, il a pris, et le coloris Patronus, qui va avoir un snood de Harry Potter. Je suis trop contente. Moi, je vais me faire un gilet Dune, alors que moi, Dune, j'ai regardé le film, voilà, j'ai bien aimé, mais c'est pas ma passion. Lui, il adore Frank Herbert. Il a tout lu, les livres et tout, il adore ça, il adore Dune. Mais Harry Potter, là, c'est vraiment mon univers à moi, donc c'est rigolo parce que voilà, on s'est échangé un peu nos coloris. Mais moi, je porterai pas du bleu en fait. Mais j'aime beaucoup le rendu de les deux ensemble. Donc son col, ça sera comme ça. Et c'est un col complètement réversible. Il pourra mettre, s'il veut un jour, le bleu clair à l'extérieur ou après inverser et mettre le bleu plus foncé. Son objectif à lui, c'est quand même de porter le plus foncé à l'extérieur. Donc on va faire ça. Je vais faire ça. Parce que c'est pas. Voilà, il me dit, il a acheté sa laine, mais moi je dois tricoter. Et pour le bonnet, il a pris son fameux coloris Freemen. Le voici. Très joli bleu. Vraiment très très beau. Donc voilà, ça sera son col, ça sera son bonnet. Je vous mets à l'écran le bonnet qu'il a choisi. Un bonnet avec des motifs. Oui, c'est ça, c'est comme ça qu'on fait. Oui. On va pas voir beaucoup les motifs quand même. Oui, mais ça ira quand même. Parce qu'il était parti sur une laine avec beaucoup plus de nuances et on lui a dit non. Parce qu'il y a une sorte de un peu comme des petites torsades. Et je lui ai dit non, non, là, faut pas. Ça va pas du tout aller. Mais on part sur du. Alors c'est vrai que oui, le motif se verra pas forcément énormément. Mais c'est vraiment la couleur qu'il voulait, de toute façon. Donc ça fera très bien l'affaire. Donc voilà, ça c'est pour mon chéri. Et l'objectif. Il lui faut pour le Ch'ti Bazar créatif. Voilà. Je lui ai dit que bon, normalement ça devrait être bon, hein, mais idéalement, il faut que j'ai tricoté le bonnet et le tour de cou, le snood pour le Ch'ti Bazar créatif. Donc on y avait été retourné le samedi matin, c'était beaucoup plus calme, il y avait quand même beaucoup moins de monde, mais il a vite fait le tour. Hein, et de toute façon, comme il savait ce qu'il voulait, je lui ai dit, bah toi c'est de ce côté-là, parce qu'il voulait pas avec les paillettes. Donc je lui ai dit, bah toi c'est de ce côté-là de la table, il a vu les bleus, il était fan, c'est tout, on était reparti quoi. Ça a été vite. Mais on n'est pas reparti complètement, mais moi je suis pas non plus repartie les mains vides parce que mon chéri m'a offert ce kit-là à chaussettes, ce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, c'est trop beau. C'est le coloris Wizard Wish. Wizard Wiz. Et j'aime énormément ses nuances. Il est super beau. J'ai eu le dernier kit, je crois. Je suis de la chance. Donc voilà pour me faire des chaussettes. Quand? On sait pas. Un jour. Certainement pas pour le Ch'ti Bazar. Faut pas. Je vais déjà essayer de faire le bonnet. C'est qu'un bonnet et un tour de cou en brioche, ça devrait aller assez vite. Voilà. Les chaussettes, ça sera pour plus tard. Mon gilet, ça sera pour plus tard aussi. C'est vrai qu'idéalement, il me le faudrait là tout de suite. Mais là, tout de suite, j'ai pas le temps de le tricoter. Donc ça sera plus pour le printemps. Mais ouais, il me tarde quand même.
Cette couleur-là, en fait, elle me faisait rêver depuis longtemps. Je savais que je la voulais. Alors moi, en vrai, je le vois sur la Stellina, parfois qui est légèrement nuancée, mais à la caméra, vous le voyez pas du tout. Voilà, tout ça, c'était notre petit retour de chez Arco Iris, qui était venu donc chez Justine. Un très bon moment, on a pu parler avec Ludivine, voir ses rencontres, tout ça. Moi, je me rends compte à quel point ce métier est dur, il est fatigant, très prenant. Voilà, être à son compte, on compte pas ses heures, tout ça, et franchement, moi, c'est jamais de la vie, je voudrais faire ce qu'elles font. Savoir se renouveler, retrouver des nouvelles idées, des nouvelles couleurs et tout, puis le temps passé derrière, ouais, c'est un sacré boulot, c'est vraiment très dur, et en fait, on se rend pas compte de... Bon, c'est vraiment à force d'échanger, je vous l'avais déjà dit, ça, c'est à force d'échanger avec les teinturiers, les teinturières qu'on se rend compte. Mais c'est vrai que quand on est juste une tricoteuse et qu'on se rend à salon, on prend quelques échevaux et on repart, on ne se rend pas compte du tout de tout le travail qu'il y a derrière et c'est vraiment énorme. Donc moi je suis vraiment admirative de leur travail, je suis vraiment contente qu'il y ait des personnes qui nous font plaisir comme ça avec des belles couleurs et des belles laines, parce que moi clairement, on me l'a déjà demandé plein de fois, ça ne te tente pas la teinture, non, pas du tout. J'ai ni l'esprit créatif pour trouver des couleurs. Moi, c'est je vais voir une couleur et je vais me dire « Ah oui, je veux celle-là parce que ça je me la projette bien dans un pull ou autre. » J'arrive pas à me dire « J'aimerais un pull comme ça, il faut que je crée la couleur. » Non, c'est pas mon processus du tout à moi. Enfin, voilà. Donc, bon, bah le stage, il a augmenté un petit peu. Les laines que mon chéri m'a offert ne compte pas, donc c'est déjà ça en moi. Oui, on essaye de tricher un petit peu, c'est sûr. C'est son stage à lui, hein. Pour ses projets à lui, c'est à lui. Mon kit à chaussettes, je vais le rentrer dans mon stash. Mais c'est les laines bleues là, ça compte pas du tout, c'est pour lui. Certes, c'est moi qui les tricote, mais c'est pas pour moi. Voilà. On se retrouve pour la fin de ce vlog. Aujourd'hui, journée d'automne par excellence. Il a fait gris, il a plu beaucoup, tout ça. Bah, moi, je sais pas, dans ma tête, je pensais que c'était toute la semaine, il allait faire beau. Donc, j'avais mis mon Mademoiselle Kate en dessous. Donc, voilà, c'est un t-shirt à manches courtes avec cette grande encolure dégagée. Avec la dentelle. L'info que je l'ai porté, je sais que j'ai mis la dentelle dans le dos. Parce qu'il est complètement réversible, ce top. Mais là, j'ai mis la dentelle devant. En dessous, j'ai un pantalon blanc, vraiment en mode il va faire beau et tout. En fait, on se les pèle, il fait froid, mais tant mieux, c'est bien, c'est l'automne. Et donc, j'ai mis mon gilet givre, un modèle de même les anges tricotent aussi. Alors, ici, son Mademoiselle Kate, j'ai tricoté avec de la Garance et compagnie.
Et là, le gilet gif que j'avais testé, moi j'ai fait des grandes manches comme ça. Et je l'ai tricoté dans la base YAK 120 de Une Louve dans les bois. Voilà, et c'est pas la première fois que je porte les deux ensemble parce que je trouve que ben voilà, ils s'accordent vraiment bien tous les deux et j'aime beaucoup. Et au moins comme ça, je n'ai pas froid, j'ai chaud. Donc on arrive à la fin du vlog, comme en fait j'ai pas filmé hier, c'est comme mercredi, en fait j'ai filmé un jour sur deux seulement. Ça fait que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, je suis contente. Et donc on va faire le point sur tout ça. Mais avant, je vais vous montrer ce que j'ai reçu la semaine dernière, mais je voulais pas montrer dans le vlog présent, je vous montre cette semaine. J'ai reçu les anneaux marqueurs La Fleur du Mois d'Apollonie. Donc quand on passe commande, on reçoit cette petite carte-là, et dedans, elle nous glisse une petite étiquette à coudre pour nos tricots, ou pour les coutures si vous faites de la couture. Et donc, je vais vous montrer la fleur du mois. Vous l'avez peut-être déjà vue, parce qu'elle l'a déjà partagée dans sa newsletter. Il s'agit de la pervenche. C'est vraiment très joli. Donc, moi, elle me l'envoie sur un anneau classique et sur un progress keeper, un anneau de progression. Donc, c'est un anneau qui s'ouvre. Donc c'est un anneau qui s'ouvre, hop, et donc vous pouvez mettre où vous voulez, il peut s'enlever. Vous pouvez très bien l'utiliser comme anneau marqueur tout ça, mais moi j'aime beaucoup l'utiliser pour marquer la progression sur mon tricot, ça permet de se voir avancer. Mais voilà, donc les petites pervenches, et quand vous regardez ce vlog, et ben elles sont disponibles sur son site. Si je ne raconte pas de bêtises. Voilà pour les petits anneaux marqueurs, les petites fleurs du mois. Merci beaucoup Julie. Et donc maintenant on va faire un petit peu le tour de ce que j'ai tricoté depuis mercredi. On va commencer par le pull que je teste pour Nadia. Le pull Isild. Alors, que j'essaye de vous montrer. J'ai pas énormément avancé dessus, on peut pas tout tricoter à la fois. Mais c'est pas grave, je suis complètement dans les temps. C'est un modèle qui sort, je vous l'avais dit, pour le juste avant le Ch'ti Bazar créatif. Donc... au niveau du 10 novembre, un petit peu avant. Voilà ce que ça donne. Oui, mais en fait, il n'y a pas une avancée folle. Je venais juste de réunir les deux devants, donc bah, voilà, j'ai fait ça. Je dois avoir justement un anneau que j'ai mis en Progress Keeper quelque part. Voyez, ça me permettait là de savoir, c'était celui de chez Maison Pleine Fleurs. Voyez, je sais que j'étais là quand je vous l'ai montré la dernière fois et j'ai tricoté ça. Donc là, je vais le décaler, je vais le mettre là, comme ça, si je tricote dessus ce week-end, quand je reviens en vlog la semaine prochaine, vous pourrez savoir, je pourrai voir ce que j'ai fait depuis que je vous l'ai montré aujourd'hui. Dans les vidéos, ça me permet de savoir ce que je vous ai déjà montré ou non, mais même si on ne fait pas de vidéo, quand on fait par exemple une mer de jersey sur un corps, c'est très motivant quand même de se voir avancer. Parce que je trouve que si on ne met pas de marqueur, bah, on ne se voit pas avancer, alors que bah, là, on a un repère et ça aide. Donc bon, bah c'est tout maintenant, il n'y a plus qu'à dérouler tout le corps, c'est en rond, c'est vraiment très agréable. Il y a le motif que là sur les deux devants, tout le dos est en jersey, donc vraiment il y a des rangs, ça ne demande pas énormément de réflexion, les rangs envers se tricotent vraiment tout simplement. On tricote les mailles comme elles se présentent, donc c'est vraiment pas c'est pas un tricot qui prend la tête, on s'ennuie pas parce qu'il y a quand même le motif de temps en temps à faire, mais c'est juste bien dosé quoi, c'est... un petit peu de réflexion et après du zéro cerveau. Franchement, il va être agréable à tricoter. Pour des premières torsades, vous pourriez le faire très bien tout ça. Il est vraiment pas compliqué, c'est vraiment des torsades les basiques quoi. Des torsades toutes simples, mais avec franchement le rendu, il est vraiment très beau. Donc ça, vous le verrez encore la semaine prochaine et après vous ne le reverrez qu'à la sortie du test. Maintenant, on va passer au gilet. Alors, je vous ai mis dans les petites vidéos avant le moment où je passe, j'ai fini une manche. Et je vous ai mis la vidéo quand je récupère mes mailles de mon cordon de mise en attente. Donc là, moi, il s'agissait d'un cordon que c'était mon amie Cécile qui me l'avait offert. C'est vraiment la marque qui a lancé ce concept, Barber Knitter, il me semble, qu'elle avait acheté chez Sip & Nip à Bruxelles. C'est vraiment ceux qui ont lancé cette idée de cordon là qu'on peut mettre à la pointe d'une aiguille. Comme ça, on peut faire glisser ses mailles facilement. Donc voilà ma manche terminée. Alors je vous l'avais dit, j'ai fait moins de... il y a moins de rangs que sur le corps au niveau des sections parce que ben, mon corps est vraiment très très long. Et je vais vous montrer où j'en suis sur la deuxième.
hop, 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 que je m'y retrouve. Et voici la deuxième. Je suis contente, je l'ai terminée. J'ai terminé et quel plaisir de l'avoir enfin terminée. Voilà mes deux manches. Hop, 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 hop. Je suis super contente. Et ben, comme j'ai un gilet là, je vais pouvoir l'enlever et vous montrer ce que ça donne porté. Voilà le rendu porté de mon gilet. Je suis vraiment contente. Donc le très gros col châle. Voilà, franchement, il y a tout ça de brioche. Ça se replie bien. C'est vraiment très joli. Les manches, vous voyez la longueur des manches. J'aurais pas pu faire plus long, quoi. Si j'avais rajouté 8 rangs à chaque fois que j'avais tricoté une couleur toute seule, donc ça aurait fait sur Street Art, 8 rangs là, 8 rangs à voie de l'eau, et 8 rangs à carapuce, et 8 rangs là au bout. 32 rangs en plus, non, ça aurait été vraiment beaucoup, beaucoup trop long. Donc je suis vraiment contente. Il m'arrive vraiment, mais vous voyez, il est vraiment plus bas, je peux pas vous le montrer, quoi. C'est vraiment en dessous de mes fesses, il est vraiment très... Il est vraiment bien. J'ai bien fait de... descendre d'une taille, j'ai choisi de faire la taille M en cours de route, parce que ça a été possible à un moment, on avait le bon... Je sais plus comment je m'étais rendu compte, mais bon bref, j'avais réussi. J'avais tout commencé en faisant L, mais je crois qu'au départ c'est M et L servaient au même, et donc j'avais pu changer et j'ai bien fait. Ah non, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu, il est très, très douillé. Il a ce côté réconfortant, donc je l'ai terminé hier soir, Noah me l'a piqué et il voulait pas me le rendre en fait, il a voulu l'essayer, et en fait il a trouvé ça, c'est moche hein ça, c'est moche, il a trouvé ça hyper confortable et il voulait pas me le rendre. Mais ouais non j'aime beaucoup, alors là je me rends compte que vous voyez, là j'ai tous les fils hein, de début de rang. La logique aurait voulu que je les rentre sur l'envers du gilet, mais je me rends compte qu'il va être, je pense... Il va se placer comme ça, donc en fait il faut que je les rentre sur le devant du gilet pour pas qu'il soit visible. Et c'est quoi celui-là? Celui-là il devrait être de l'autre côté, bon c'est pas grave. Oui je me rends compte que non, il faudrait que je les rentre sur le de l'avant, l'endroit, parce que il plisse comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà pour cette... Oh, il est fini, je suis contente. Donc voilà pour cette... Bah, ça, c'est un sacré morceau, hein, belle bête. Ça a été quand même quelque chose. Ouais, donc c'est quand même été un sacré morceau à tricoter. C'est une belle pièce. C'est... Voilà, ça a été beaucoup d'heures. Ça faisait longtemps que je n'avais pas passé autant d'heures de temps sur un tricot. Il m'a paru interminable sur la fin, sauf que j'en pouvais plus. Je suis vraiment contente de l'avoir fini. Parce que oui, vraiment, c'est pas... Ça fait longtemps que j'avais pas eu un tricot si prenant en termes de temps. Je sais faire la différence entre mes deux manches parce que celle-là, elle est plus violette. Et là, sur la fin de l'écheveau, il y avait un peu moins de violet. Ça fait plus contrasté par exemple ici que sur celle-là. Enfin bref. Au niveau des laines, donc j'ai des restes d'un peu de toutes les couleurs, mais pas énormes. Alors je doute quand même qu'avec 6 écheveaux de figurines, j'aurais pas du tout réussi à faire l'autre gilet où il fallait le tenir en double. En tout cas, il aurait été vraiment court, parce que... Bon là, il est vraiment long, mais au final, il me reste que ça en laine, vous voyez. Donc j'ai quand même utilisé pas mal de laine. J'ai pesé mes restants, je sais que j'ai utilisé au total 4 écheveaux et demi dans tout mon gilet. Donc il aurait pu être fait avec 5 couleurs différentes, ça serait passé, il y aurait eu moins de restes de chaque couleur. Mais je suis vraiment contente parce qu'il me reste pas non plus énormément de chaque couleur. Je pense que je vais me faire une chaussette color palette sock pour avoir une paire de chaussettes assorties à mon gilet et puis voilà. Alors le bilan, bah, très très contente des couleurs, des laines, c'était vraiment chouette à tricoter. J'ai découvert quand même que la lurex, le film de lurex s'accroche très facilement dans les anneaux marqueurs. Donc plus d'une fois, je sortais mon pull de mon gilet de mon sac et un film de lurex avait été tiré parce que pris dans un anneau marqueur. Et ça fait que je les ai coupés parce que franchement ils étaient tirés mais bien... Et impossible de les remettre dans la laine. Donc ça, c'est vrai que c'était un peu galère. À la fin, je faisais super attention. Mes manches, je les mettais plus, par exemple, dans le sac. J'ai laissé les manches sorties pour être sûr que les aiguilles, les anneaux marqueurs, ils se coincent pas ailleurs dans le gilet. Mais c'est en même temps la laine qui, je trouve, avec dont les paillettes se voient le mieux. Bon, bah là, je trouve que c'est pas forcément très représentatif. Mais... Clairement, j'ai jamais vu une laine où on voyait aussi bien les paillettes sur le fil.
Franchement, j'ai aucun mal sur celle-là à vous montrer. Les paillettes, on les voit super bien. Mais en même temps, le fil, il s'accroche un peu plus facilement. Mais voilà, c'est le seul petit bémol que j'ai eu sur tout cet ouvrage. Et franchement, je suis contente. Là, tout de suite, je vais rentrer tous les fils. Bon, là, tout de suite, non, je vais pas le faire là. C'est ce le programme du week-end. Oh, il est douillet à souhait. Je vais rentrer tous les fils et je ne vais pas le laver. Je vais en profiter tel quel parce que ben, il n'a pas besoin d'être lavé. Mon tricot, il est très régulier. Le point, il est régulier. Franchement, je ne vois pas pourquoi je le laverai. Si ce n'est qu'il risque de se détendre au lavage. Donc, je veux en profiter tant qu'il est encore vraiment parfait au niveau de la taille. Et après, je le laverai après l'avoir porté plusieurs fois. Mais voilà. Je suis contente, j'ai terminé ce gilet. Un gros projet, c'était mon dernier projet d'été. Il aura bien dépassé sur l'automne, hein. Mais voilà, c'est une bonne chose de faite. Et 6 échevaux enlevés de mon stock de laine, c'est quand même pas rien. Et oui, ça a été vraiment un beau projet. Il vous a énormément plu et tout, donc je suis vraiment contente. Voilà, vous étiez là derrière avec vos encouragements et ça m'a motivée. Après, je suis pas du genre à abandonner un tricot, mais... C'est vrai que bah voilà, d'avoir vous derrière, qui à chaque fois me faisiez des compliments pour ce gilet-là, ça motivait. Donc forcément, il aura sa vidéo dédiée. Je dis pas que mercredi prochain la vidéo elle sera sortie, mais voilà, dans pas trop longtemps, il aura sa petite vidéo dédiée pour que je vous en reparle en détail sur sa construction, tout ça, la difficulté de ce modèle-là. Moi, je vais le garder pour finir ce vlog. Hyper douillet. Ah ouais, franchement. Puis là, vous voyez. Ça me fait deux épaisseurs, ça fait très chaud là, puis avec la brioche quand même. La brioche, c'est à chaque fois ces deux fils ensemble. Oh non, c'est moelleux la brioche. Et donc le dernier en cours, c'est ma chaussette que je vous avais montré. J'en étais au talon. Donc ma chaussette que je tricote avec ce bel autorayon en couleur de l'automne. Ça jure beaucoup avec ce que je porte maintenant. Et... Voilà, j'ai quand même réussi à finir ma chaussette. J'y croyais pas. Franchement, j'aurais pas cru. Même hier, j'aurais pas cru que j'allais la finir, mais j'ai réussi à la finir aujourd'hui. Ma petite chaussette tricotée. J'ai fait un rabat franchement moche là. J'ai fait le elastic bind off. Mais il est hyper élastique et mon pied passe. Donc voilà, mais c'est vrai que franchement, c'est moche. Je n'ai pas fait une tige aussi longue que le pied, vous voyez. Parce que c'est pas ce que j'aime porter. Moi, j'aime pas quand elle monte trop haut. Donc voilà. Je me suis arrêtée avant. Rien de particulier. Je me rends compte quand même que. On dit toujours la première façon de faire nos chaussettes, c'est la méthode qu'on va préférer faire. Donc moi, la première fois que j'avais fait des chaussettes, j'ai commencé par la pointe, vers les côtes. C'est la technique que j'ai préférée pendant très longtemps, des années. Je commence à changer d'avis. Mon montage, quand je commence les chaussettes par les côtes, je fais un montage tubulaire, je trouve ça beaucoup plus beau. C'est très élastique. Contrairement à ça, c'est élastique, mais c'est moche. Ça a préféré le talon à gousset par rapport à ce rang raccourci, parce qu'effectivement, le talon à gousset offre plus de place à ce niveau-là pour le coup de pied. Et puis bon, bah, faire un grafting au bout, ça me dérange pas. Donc je pense que maintenant, à l'avenir, je vais davantage faire mes chaussettes dans l'autre sens. Alors, c'est pas ce que je préfère tricoter. Le talon, je préfère par exemple, à tricoter, en fait, je préfère faire dans ce sens-là. Je préfère faire un talon à rang raccourci. Mais au porté, ben, le talon à gousset, je trouve que pour mon pied, c'est celui qui va le mieux. Et puis, le montage tubulaire est très élastique et très beau. Et je trouve que visuellement, c'est ce qu'il y a de mieux aussi pour là-haut les côtes. Donc bon, peut-être qu'à l'avenir, je ferai davantage de chaussettes dans l'autre sens que comme ça. Mais pour un autorayon, afin de ne pas casser le rythme des rayures, je continuerai à toujours faire le talon en rang raccourci. Au moins peut-être pour avoir parfois mon plaisir de faire ma chaussette dans ce sens-là, peut-être. À voir, ouais. Le problème de celle-là, c'est que moi je suis toujours contrainte que là, je m'étais dit hein, peut-être faire un rabat à l'aiguille, mais ça demande beaucoup de laine. Et moi, des mini de 20 grammes pour faire mes chaussettes à moi, je les utilise entièrement. Donc je suis déjà juste en laine, je peux pas faire moins. Donc voilà. Mais ouais, moi je préfère, je veux pas faire un talon à renforce à gousset avec des rayures parce que comme on fait des augmentations ou des diminutions, ouais, en fait la partie ici il y a plus de mailles, les rayures sont plus fines et donc moi j'aime pas ça.
Je préfère vraiment avoir toutes mes rayures identiques partout au pied. Donc je continuerai à faire cette méthode-là, de la pointe aux côtes, avec un talon raccourci quand j'ai des laines auto-rayantes. Mais je crois que quand je ferai autre chose, bah, je les ferai des côtes vers la pointe avec un talon à gousset. Et je ferai pas dans l'autre sens parce que je sais pas faire le talon à gousset en partant de la pointe. Donc je vais faire que en partant des côtes. Puis comme je vous disais, mon montage tubulaire étant beaucoup plus beau, c'est ce que je vais faire. Enfin voilà, j'ai quand même terminé ma chaussette, je suis super contente, il n'y a plus qu'à faire la deuxième. Je me suis fait un petit planning chaussette là pour la fin d'année, donc je fais celle-là et ensuite je me fais mes petites chaussettes d'Halloween avec la laine de Pauline que je vous ai montrée en début de vlog, il me semble. Donc voilà, ça serait bien que la semaine prochaine je fasse la deuxième chaussette. Ce serait pas mal. Je ne vais pas remonter quelque chose là dans l'immédiat. J'ai fini ça, celui-là, mais je remonte rien. Donc je pense qu'il est possible que j'arrive à faire une chaussette la semaine prochaine. Donc voilà, on est arrivé au bout de cet épisode. Bah, j'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai quand même aimé, j'ai beaucoup aimé cette dynamique de filmer un jour sur deux. Je ne l'avais jamais testé avant. Ça fait quand même plus de, ça doit faire à peu près 2 ans que je faisais des vlogs quotidiens. J'avoue que bah, ce changement là, ça m'a plu. J'ai été contrainte de le faire dû à d'autres choses. C'était une contrainte de cette semaine de filmer comme ça. Mais j'avoue que moi j'ai aimé. Donc je pense que je vais reproduire la semaine prochaine. J'espère que cette dynamique-là vous aura plu. Je sais que en termes de temps, vous avez un bon vlog quand même. Parce que quand je reviens, au lieu de revenir 5-10 minutes, je suis plutôt à revenir 20 minutes. Donc le contenu en termes de durée est le même. Donc voilà, j'attends vos retours en dessous. Mais en tout cas, ben, un grand merci à vous pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, pour tous vos Ko-fi aussi, votre soutien sur la page Ko-fi. Vous avez été très très nombreuses ces derniers temps à passer par là. Donc un grand merci à vous. Ça me touche vraiment très fort de voir tout votre soutien, de voir que vous me suivez toujours autant, de tous vos encouragements. Donc un grand grand merci à vous tous. Et donc en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!